Le PER, c'est un plan d'épargne retraite qui permet de se constituer une épargne pour sa future retraite. Il regroupe entre autres tous les anciens contrats de retraite qui existent, à savoir les PERP, les contrats Madelin et les articles 83. Alors, le PER s'adresse aussi bien aux salariés qu'aux travailleurs non salariés, les agriculteurs, les artisans, les commerçants et les professions libérales. Le PER a pour principal avantage de bénéficier d'une déductibilité des cotisations versées sur le contrat PER. Alors, il n'y a pas d'âge précis pour souscrire un PER. En démarrant jeune, l'effort d'épargne est bien entendu moins important que pour une personne plus âgée. Alors, le PER MMA permet d'investir soit sur un fonds euro sans risque, qui a rapporté en 2022 1,80% net, mais aussi si on le souhaite sur des unités de compte pour dynamiser son épargne. À titre d'exemple, Covéa Action Croissance, depuis le début de l'année, a déjà rapporté plus de 10%, l'idéal étant un panachage des deux. La principale différence est la déduction fiscale des cotisations et la disponibilité des fonds. Ce sont aussi des produits qui sont très proches dans leur fonctionnement. Les contrats PER permettent de sortir soit sous la forme de capital, soit sous la forme d'une rente ou d'un mixte des deux. Les sommes transmises à votre conjoint sont hors droit de succession. Pour les bénéficiaires, il existe un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire en cas de décès avant 70 ans. Alors non, le contrat cesse au décès de l'assuré principal, comme en assurance vie, et ce à l'inverse des contrats de capitalisation. Alors, les cotisations qui ont été déduites des revenus ne sont pas disponibles avant l'âge de départ en retraite, sauf dans des cas bien particuliers qui sont l'invalidité deuxième et troisième catégorie d'un des membres de la famille, mais aussi en cas de cessation de droit au chômage ou de liquidation judiciaire pour un non-salarié, ou encore l'acquisition de la résidence principale. Le contrat PER MMA Avenir a été à plusieurs reprises récompensé dans différentes revues financières pour sa qualité de gestion et ses performances financières.